Monsieur Moréville, bonjour. Nous sommes ici devant les locaux de l'administration communale de Chauxfontaine où une réunion est programmée entre les pouvoirs publics et les commerçants. C'est cela. Est-ce à votre initiative, à l'initiative des commerçants? C'est à l'initiative des commerçants. Et quel est le but ou qu'est-ce que vous demandez ou réclamez? Nous demandons une collaboration avec les autorités communales. Une collaboration pour quoi? Une collaboration pour nous défendre. Ils sont nos élus, nous les avons choisis, ils doivent devenir maintenant, en plus d'être nos représentants, nos avocats. Vos avocats à quel titre? Je suppose qu'on parle des travaux. On parle des travaux qui risquent d'empoisonner, et plus que cela, la vie de la population et des commerçants en particulier pendant près de 2 ans. Quelles sont les revendications actuelles? Les revendications que vous pensez proposer? Ça, moi, je proposerais que l'on fasse avancer les travaux plus vite. En effet, j'ai remarqué à maintes reprises que parfois il n'y avait personne sur les chantiers pendant un jour ou deux, ou très peu d'ouvriers. Et il semblerait que les entrepreneurs qui ont repris ces ouvrages ont 14 ou 15 chantiers en même temps et donc sont peut-être dans l'impossibilité de les assumer tous simultanément. Nous voudrions que ces travaux avancent plus vite. Ce serait déjà une première solution. Donc la première solution, c'est qu'il y ait des cadences de travail plus fournies. Absolument. Ce qui ne veut pas dire qu'on va travailler jour et nuit et au ensuite, détriment du sommeil des autres. Et ensuite, vous proposez d'autres... Certains ont proposé des feux alternatifs, mais encore faut-il voir si techniquement c'est possible. Donc la réunion d'aujourd'hui sera avec... C'est un premier tour d'horizon. C'est un tour d'horizon entre qui et qui? Qui sera présent? Le bourgmestre de Chauxfontaine, le bourgmestre de Trot et, je pense, les échevins des travaux. D'accord. Ainsi qu'une petite délégation de 4 à 5 personnes représentant les commerçants de Trot et de Chauxfontaine. Cette délégation a été limitée à 5 personnes, vous ne pouviez pas... Non. J'ai entendu que c'était 4 à 5 personnes, pas plus. Ok, bien, nous ferons le bilan après, alors je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Eh bien voilà un autre commerçant. Donc M. Moréville m'a expliqué que c'était une réunion demandée par les commerçants, que vous alliez peut-être revendiquer des feux alternatifs ou une cadence de travail plus soutenue. Par exemple, maintenant je vais passer à 5h30, il n'y avait personne effectivement, alors qu'il fait très clair. Non, on pourrait à 16h, ils arrêtent. D'accord. Que souhaitez-vous proposer d'autre éventuellement? Ben, on aimerait qu'ils raccourcissent la longueur du chantier afin de pouvoir mettre des feux alternatifs. On a vraiment besoin que la circulation reprenne. C'est vital pour les commerçants, mais même pour la population. La population est vraiment maltraitée. Hein. C'est vraiment pas digne de... Il y a la population, mais disons la population, ok, c'est la population, mais les commerçants, c'est plus important. Maintenant on a 2 fermetures. Hein. Du fait de leur métier. Donc ouais. Il y a aussi la seconde fermeture dont vous voulez parler, celle de l'Esplanade peut-être? Celle de l'Esplanade, oui. Oui, oui. Oui, où là ils ne peuvent plus continuer leur activité, ils ont les bulldozers juste sur leur terrasse, c'est impossible. Donc le café l'Esplanade a également arrêté? Oui, oui. Ça fait... Sur 10 commerces à Chauxfontaine, il y en a 2 qui viennent de fermer suite aux travaux, donc c'est quand même énorme. Hein. Sans entrer dans des chiffres précis, quelle baisse avez-vous constaté? C'est difficile à juger puisque j'ai déménagé. Il y a certainement une baisse de plus de 30%. Ça doit être entre 30 et 50% puisque je n'ai plus la clientèle qui passait devant la pharmacie et j'en ai besoin pour vivre. D'accord. Eh bien, la réunion n'étant pas publique, on fera peut-être un petit point après. Alors, okay. Je vous remercie. Merci.